saisir cette tribune pour informer les militants et sympathisants de l'opposition que les manifestations prévues mardi, mercredi et les jours suivants sont suspendues jusqu'à ce que le comité de suivi puisse proposer la solution pour la publication des vrais résultats et la restitution des suffrages qui nous ont été enlevés lors de la centralisation. Pour l'instant, nous suspendons les manifestations. Jusqu'à ce qu'on voit quelle est la suite que le comité de suivi va réserver à la demande de M. le Président de la République. Le délai, c'est pour combien de temps? Le délai de comité de suivi, là, c'est pour combien de temps? On vous le dira. Écoutez, je n'ai pas. La demande vient d'être faite à l'instant. Le comité de suivi va se saisir du dossier et nous, nous sommes déjà membres du comité de suivi et nous allons exposer nos griefs et les pièces à conviction qui les soutiennent au niveau du comité de suivi. On va attendre qu'ils nous proposent des solutions. La première réunion du comité de suivi. Je ne sais pas, le comité de suivi vient d'être saisi lui-même de la demande du président de la République. Je pense qu'il va diligenter compte tenu de l'urgence qui s'attache à la résolution de ce problème épineux. Ensemble, je pense que nous sommes dans un processus électoral. Il va falloir régler ce problème, publier les résultats nominaux des élections locales et mettre en place aussi les conseils communaux et les conseils de quartier, mais ça suppose auparavant que cette question est réglée. Donc il y a urgence, et le président de la République a dit avec diligence, et je pense que le président du comité de suivi prendra toutes les dispositions pour que ce comité se réunisse le plus tôt possible et essaie de plancher sur cette question urgente. Merci beaucoup. Merci, c'est terminé. La prochaine.